Bonjour. Bonjour, désolé. Bonjour et bienvenue à l'Escale en direct. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai 2017. As-tu réalisé quelque chose de différent? Mais tu parles-tu de mes cheveux? Non, je parle de la grosse TV. Ouais, ben, tu peux pas la manquer, hein, quand même. Ouais. Donc, on a eu un petit upgrade, c'est fun. Donc, on va commencer ça. La semaine passée, il y a plusieurs élèves qui étaient partis au sommet de l'éducation. Donc, ils parlaient du sujet de l'intersectorialité. Donc, c'est l'importance de l'école dans sa communauté, puis la communauté dans l'école. Donc, on va amener ça à notre premier sujet, où est-ce que c'est les inondations dans notre communauté. Plusieurs de nos élèves sont allés donner un petit coup de main, dont la photo en arrière. Trois de nos élèves ont eu la chance de rencontrer plusieurs députés, incluant notre ministre de l'Ontario. Notre première ministre de l'Ontario. Oui. Donc, on va aller avec Mimi et Sabine Vol. Mimi? Donc, j'ai avec moi Isabelle et Valérie, puis elles étaient allées aider après l'inondation. Puis j'ai quelques questions pour vous. Donc, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller aider? Moi, c'est pour des raisons humanitaires. Je trouve que c'est vraiment important d'aller aider toutes ces personnes qui vivent dans cette situation tellement critique. Puis je trouve que c'est beau avoir toute notre communauté qui vient en aide. Mm-hmm. Puis moi, je veux faire partie de ça, puis parce que je me sens très mal pour eux. Moi, je me suis mis dans leur situation, donc si moi je serais dans une inondation, je voudrais que la communauté vienne m'aider, donc j'ai décidé d'aller les aider. Ok. Arrivé sur place, c'est quoi qui vous avait surpris le plus? Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est l'implication de la communauté dans ce désastre qui s'arrive en ce moment à Rockland. Le fait que tout le monde a pu se réunir ensemble, mm-hmm. et quand tu arrives, tu vois tout le monde qui travaille, donc tu arrives et tu commences à travailler, puis ça peut juste continuer comme ça toute la journée. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'aider? Oui, il y a beaucoup de personnes qui apportent de la nourriture pour tous les bénévoles, puis ça aide vraiment à garder le travail continu pour en donnant de l'énergie aux personnes. Puis aussi, en ce moment à Rockland, les égouts commencent à être très pleins, donc réduire la consommation de notre eau, c'est une autre chose qui peut nous aider. Mm-hmm. Aussi partager tout dans les médias sociaux pour faire circuler les nouvelles, ainsi qu'offrir des dons monétaires. Mm-hmm. Et vous, quelles étaient les tâches qui vous étaient assignées? Moi, je prenais les sacs, puis je les attachais avec des orteils, puis je les passais, on les levait, puis c'était toujours la même chose. Mm-hmm. Moi, ça me dit quand j'ai été, j'ai dû emporter des sacs dans mon auto à des locations qu'on avait besoin. Et un matin, j'ai rempli aussi des sacs et je les ai attachés. Okay. Et pensez-vous y retourner? Oui, moi, je vais y retourner ce soir et demain, puis possiblement pour dans les prochaines semaines. Mm-hmm. Apparemment, pour moi aussi, si l'aide est nécessaire. D'accord. Donc, merci pour votre aide. C'est grandement apprécié à vous et tous les autres bénévoles. Donc, de retour avec Zachary et Mirance, accompagnés de Trevor. Merci beaucoup. Donc, comme Lumi a dit, Trevor est ici. On nous parlait de culture. Bonjour. Donc, bonjour tout le monde. Oui, vendredi dernier, c'était le gala des prix Trior. Pour les moins connaissants, c'est organisé par l'APCM, donc l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. C'est super plaisant. Comme but, c'est de souligner le talent des franco-canadiens, des artistes franco-canadiens, donc chant, musique, etc. Le tout a été animé par Vincent Poirier au Centre Shankman. Et puis, de là, on va vous nommer quelques grands gagnants. On avait Mehdi Kayen, que lui a remporté interprète masculin, meilleur interprète masculin, meilleur album, suivi de meilleure chanson primée. On avait aussi Pontix, que eux autres ont gagné meilleur EP et meilleure découverte, et Pandaléon qui ont remporté le prix de meilleur groupe. C'était vraiment une soirée remplie d'émotions, remplie de fierté francophone, et puis on a pu vraiment voir le talent de nos artistes francophones. Absolument, merci Trevor. Merci à vous. Est-ce que tu connais ça? Oui, je connais des très bons groupes. Mm-hmm. Allez voir ça. Donc, Trey nous a préparé un autre Vox Pop cette semaine avec la question « Quel est ton endroit préféré à l'école? » On va regarder ça. Mon endroit préféré dans l'école, c'est le nouveau lab de chimie parce qu'on peut se laver les mains et il fait froid. Moi,
moi j'aime la gymnase parce que j'aime ça. Mon endroit préféré à l'école, c'est le gymnase parce que je peux jouer à tous les sports que j'aime. Mon endroit préféré dans l'école, ce serait dans le gym. Pourquoi? Parce que je joue beaucoup de sport avec l'école. À la cafétéria. Pourquoi? Parce que j'aime manger. La cours de construction. Pourquoi? À cause, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Moi, c'est le gym à cause que c'est là qu'on joue à tous les sports puis c'est là que j'ai les meilleurs souvenirs de mon secondaire. Le gymnase. Pourquoi? Ben, les sports, tu sais, je l'adore. Oh, mon endroit préféré dans l'école, c'est dans ma salle de classe où je peux vraiment inspirer les élèves et leur montrer toutes sortes de belles. Non, c'est pas vrai. C'est dans le salon du personnel avec un potluck. Mon endroit préféré dans l'école, ça serait mon bureau. Parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est un endroit sécurisé à cause des élèves de m'échanger. Et puis, j'ai beaucoup de quartier de grosse. Donc, merci beaucoup. Là, je pense avec Noémie sur le sofa qui va nous parler de sport. Oui, donc, comme mentionné dans la dernière émission de l'escale en direct, il y a quelques élèves de l'escale qui se sont qualifiés à OFSA pour le badminton. Puis, le tournoi avait lieu à la fin de semaine dernière. Donc, j'ai ici avec moi Matthew House, Valérie Daou et Vanessa Gaumont. Matthew est en équipe mixte avec Marco Brunet. Puis, ils ont terminé en 8e position. Puis, Valérie et Vanessa étaient en équipe ensemble. Puis, elles ont terminé en 9e position, en plus d'être la première place dans la catégorie B. Donc, est-ce que vous pourriez vous décrire le meilleur moment que vous avez vécu à OFSA? Bien, je pense pour nous, ça serait quand on a joué la quart de finale. Puis, on venait juste de gagner la première moitié. Puis, on était rendu en 2e. Puis, ça allait pas bien au début. Il y avait une avance de 7 points, je pense. Puis, lentement, pas vite, on s'avançait. Puis, en arrière de nous autres, on entendait M. Carl puis Gilles, un de nos entraîneurs, en train de nous dire « Let's go, continue, let's go, faut que tu gagnes ça! » Puis, ça se rapprochait de plus en plus. Puis, vers la fin, ça s'est ramassé, puis on a gagné. Wow. Oh my God, moi, c'était les finales. Juste le fait d'être là avec tout le monde d'autre, c'était palpitant. Le premier set, on avait super bien fait, on avait super bien joué. Le deuxième set, ça a un peu mal été. Notre adversaire nous avait battu. Puis après le troisième set, on est retourné, puis on a gagné ça. Puis l'adrénaline était là, puis j'ai venu. Et ça, je vais avec ça. Moi, mon moment que j'ai le plus aimé à OFSA, c'était juste d'être tout ensemble avec notre équipe, puis avoir monté 9 heures de route. Tu fais des memories, comme on dit en anglais. Mais comme c'était le fun, puis on a joué au cap, puis c'est ça. Ben merci beaucoup et félicitations. Merci. Donc, merci Noémie. Merci. La semaine passée, vous avez eu la chance de gagner un BLT. Si vous avez aimé et partagé la vidéo, donc on va faire le tirage. Donc... Tirage? Merci. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on essaie la même technique ou... C'est ton choix. On va le lancer encore, vas-y. Ah, c'est mieux que... C'est mieux, celle-là. C'est mieux qu'un... Donc, Isabelle Romain, c'est toi qui as gagné le BLT. Donc, félicitations pour cette semaine. Aimez, partagez et vous aurez la chance de gagner le BLT de la semaine prochaine. On aimerait ça dire que... avec les inondations. On a tous reçu un courriel avec un formulaire pour qu'on puisse aller aider durant la moitié d'une journée. Donc, si vous voulez aller aider, s'il vous plaît, remplir le formulaire. Ouais. Donc, aussi, tous les profits de Showbiz seront remis aux victimes des inondations. Donc, c'est une vraiment bonne cause. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire, aller aider. Acheter des billets de showbiz, donc tout ça, merci. Ça va vraiment aider à la communauté. Donc, merci d'avoir été avec nous encore cette semaine et on vous voit la semaine prochaine. À plus tard. Non. Oui.